La genèse du télétravail, c'est le résultat d'une étude sur les modalités d'organisation du temps de travail au sein du groupe IRSEM. Cette étude s'est voulue participative. On a associé plus de 100 collaborateurs sur les 500 que compose le groupe autour d'une question: comment améliorer la qualité de vie au travail tout en améliorant les services rendus à nos clients? Le télétravail est apparu comme une solution pouvant réunir ces deux objectifs rapidement. Par la réduction des temps de trajet pour les collaborateurs qui améliore la qualité de vie au travail, mais aussi par l'accroissement de la capacité de concentration qui va permettre d'améliorer la qualité des services rendus à nos clients. Nous avons mis en œuvre le télétravail sur la base d'expérimentation. Pourquoi ce choix-là? Tout simplement parce que le télétravail, c'était une solution nouvelle. On n'avait pas toutes les réponses a priori, il fallait essayer. Donc on s'est appuyé sur des salariés volontaires qui au départ ont utilisé leur propre matériel d'ailleurs à leur domicile. Mais tout ça, ça a été possible parce qu'un prérequis indispensable était présent, c'est la technologie. Nous pouvions au sein du groupe IRSEM nous connecter à distance de manière fluide, de manière efficace, tout en préservant la confidentialité des données sur les outils de gestion, à savoir que par exemple un collaborateur ne peut pas imprimer chez lui les documents. Comme ça, il n'y a pas de risque de diffusion de ces éléments-là. Ce choix aussi de l'expérimentation, ça nous a permis de construire la négociation sociale sereinement, sur la base des retours qui revenaient au fur et à mesure, et d'associer les partenaires sociaux. La négociation a abouti. Finalement, elle n'a été le résultat que, de la pratique sur le terrain. Le télétravail, pour le mettre en œuvre, faut être pragmatique. Le management a été associé à toute la démarche d'expérimentation, ce qui a facilité grandement leur adhésion au projet. C'est eux qui sont porteurs de ce projet-là, finalement. Puis aussi, ils pouvaient bénéficier du télétravail. On a souhaité, au sein du groupe IRSEM, que le télétravail ait vocation à être la destination de tous les collaborateurs. Alors, on constate une évolution de la pratique du management vers plus d'autonomie, plus de confiance vis-à-vis du collaborateur, mais dans l'autre sens aussi, du collaborateur vers son manager. Il a fallu repenser la relation managériale, individuelle tout d'abord, parce que le collaborateur n'est plus là physiquement. Comment je gère un collaborateur lorsqu'il est chez lui, à son domicile? Et puis collectivement, parce que mon équipe, elle n'est jamais au complet. Ça, c'était une vraie question, ce qui nous a amené, par exemple, à mettre en place des jours sans télétravail pour que les informations puissent être données de manière collective à tous les collaborateurs d'une même équipe. Chaque équipe a déterminé son jour sans télétravail. C'est un point important, ça. Le télétravailleur, lui aussi, a un rôle dans la pratique du management. Et il a dû réimaginer sa relation à son travail et savoir faire les ruptures entre je travaille à mon domicile et puis il est 17 h, j'ai fini de travailler, pourtant je suis encore à mon domicile. Chaque partie prenante, le manager, le collaborateur, a été impacté par le télétravail et forcément la pratique du management à évoluer. La performance globale au sein du groupe IRSEM s'est élevée. Alors, nous l'avons constaté comment concrètement? Bien, l'année qui a suivi la mise en place du télétravail, l'évaluation des collaborateurs effectuée par les managers a progressé. Les managers étaient donc plus satisfaits du travail produit par leurs collaborateurs. Alors, c'est pas étonnant, hein. Toutes les études sur le sujet démontrent que lorsque vous améliorez la qualité de vie au travail des collaborateurs, la performance de l'entreprise progresse elle aussi en parallèle. Finalement, au sein du groupe IRSEM, nous sommes la démonstration de ce phénomène-là. Améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs vous permettra d'améliorer la performance de l'entreprise.